Celui qui va dans la direction en dehors des sentiers battus, qui comprend que toute cette envergure-là n'est que l'illusion. Il quitte ce monde, il quitte cette dimension où on se leurre, où on se raconte des histoires. Il s'éveille, quoi. Il voit la réalité en face. Celui-là, il se retrouve seul. Tu n'es pas accompagné sur cette route-là. Il n'y a personne qui viendra te soutenir. Parce que tu es seul face à l'humanité. Tu es seul face à toute une logique qui a toujours été comme ça, celle de la norme établie. Et il peut y avoir un sentiment de détresse et une envie de revenir à quelque chose qui puisse être soutenable. Mais une fois que tu as découvert cette route, cette autre dimension, cette autre façon de voir la vie, plus jamais tu as ce désir de revenir en arrière, parce que tu sais pertinemment que c'est faux. Donc il faut que tu vives avec cette solitude. Et dans cette solitude, il y a la complétude, parce que tu es entier avec tout le reste. Tu es en contact avec le monde, en contact avec l'univers, en contact avec la nature. Donc, c'est un sentiment de solitude par rapport à ce que les gens peuvent te faire sentir. C'est-à-dire, nous sommes dans un monde où tout le monde fait des choses mondaines, et toi, tu es isolé de ça, parce que ça ne t'intéresse plus. D'où le sentiment d'angoisse parce qu'on n'est pas reconnu. On n'est pas reconnu dans la confrérie de la norme établie. C'est pour ça que très peu sont sur ce chemin-là, totalement, je veux dire, qui se sont donné corps et âme pour faire la découverte de soi. C'est-à-dire ben, cette connaissance de ce que tu n'es pas, la connaissance de ce qui se joue là-dedans. Parce que ce qui se passe là-dedans, tout est lent, tout l'enjeu est là. C'est de voir l'instant où tout se meut, c'est d'être présent à ça, pour pouvoir faire en sorte que tu puisses maîtriser la situation. Et ne pas laisser la compulsion emporter ton esprit. Parce que la compulsion va te porter. Tu es tout le temps dans cette envie de vouloir faire en sorte que les choses reviennent. Et les choses vont t'embarquer. Mais en fait, si tu es solide, tu as compris, tu t'es assis sur un sol solide, sur le principe même de ce que la vérité, elle est, la joie de vivre habitera ton cœur. Ne croyez pas que c'est une promesse que je fais là. C'est quelque chose que chacun d'entre nous doit le découvrir pour lui-même. Ici, on ne fait pas de promesse à personne. Il n'y a pas de promesse à atteindre. Il n'y a pas quelque chose qu'on doit atteindre pour pouvoir être joyeux. Il y a juste à voir la réalité. Et quand tu as vu la réalité, tous les mensonges s'en vont. C'est-à-dire, tu débusques toutes les illusions. Tu vois combien c'est faux. Et tu acceptes de les voir ainsi. Parce que ton esprit va t'omnibuler, il va t'emmener dans un rêve pour te faire montrer comment les choses devraient être. Et donc tu vas être dans ce mode où tu espères que les choses seront autrement que celles que tu as en ce moment. La condition dans laquelle tu es, tu ne la veux pas. C'est désagréable.
Donc tu imagines une condition bien meilleure et tu la poursuis. Et quand tu fais ça, tu te perds parce que tu rentres dans le jeu de la conformité. La conformité, c'est vivre l'idéal vie pour ne pas souffrir, pour ne pas être face à cette évidence que tu es en face de rien, un grand vide. Et ça fait peur. C'est pour ça que cette peur, tu dois la voir, tu dois aller la rencontrer pour faire en sorte que elle ne devienne qu'illusion. Tu comprends que c'est de l'illusion. Ce sont des choses que tu te racontes à toi-même. Et tu te crées des barrières toi-même. En fait, l'ennemi de la joie, c'est ce que tu es toi. C'est toute cette résistance qu'il y a, ces peurs, ces angoisses. Parce qu'on se raconte des histoires de qu'est-ce qui va m'arriver si je suis libre? Qu'est-ce qui va m'arriver si je sors de tout ce carcan dans lequel j'ai été? Je suis habitué là-dedans. Qu'est-ce qui va m'arriver? Si je ne paye pas mon loyer, qu'est-ce qui va arriver? Si je ne travaille pas, qu'est-ce qui va m'arriver? Donc tu vis constamment dans la peur. Et cette peur tenaille la race humaine. Parce que nous faisons tout pour faire en sorte que demain soit important. Donc on donne beaucoup d'importance à demain. Et notre vie devient une vie qui n'est pas celle qui est présente. C'est celle qu'on aimerait. Et celle qu'on aimerait n'existe pas. Donc, tout le principe de nos sociétés sont basés là-dessus, sur comment faire pour que demain soit mieux. Mais tout ça, c'est du leurre. C'est une invention de l'esprit qui est fatigué d'être face à lui-même. Parce que face à toi-même, tu as tous les choses qui viennent à toi, la pensée qui vient et qui te somme de rentrer dans la norme. À chaque fois que tu es face à la vérité, la norme va te rappeler, le passé va te rappeler à l'ordre. Va te dire c'est comme ça, ça devrait être comme ça, il faut être gentil, il ne faut pas être méchant. Donc tu as des principes, tu vis avec des conclusions, mais tu ne vis pas la vie. Tu vis les conclusions de ce que la vie devrait être. Et là, il n'y a pas de réalité là-dedans. C'est un mensonge. Ce n'est pas ce qu'il y a. Ce qu'il y a, c'est la réalité qu'il y a à vivre. C'est pour ça que nous sommes embrigadés dans la nervosité, la peur, l'angoisse. Qu'est-ce que je deviendrai si je suis complètement en dehors de tout ce monde, si je ne côtoie pas tout ce que le monde demande que tu dois devenir. Parce que tout le monde te dicte ce que tu dois devenir. On te dit depuis que tu es petit, il faut réussir. Réussir, réussir, réussir. Et en fait, tu es dans une frénésie là. Tu es toujours en train de voir la possibilité pour devenir quelqu'un. Et quand tu es devenu ce quelqu'un, parce que tu as réussi, parce que tu as pu avoir de la notoriété, tu as pu avoir une posture pour te montrer sur la place publique, alors tu deviens quelqu'un. Tu es reconnu. Et c'est ça qui fait que ce grand vide, il est pacifié parce que tu as cette distraction d'être celui qui n'est pas toi. Parce que tu as renié ce que tu es pour devenir ce que tu n'es pas. Tu te donnes une apparence, mais cette apparence, elle est fausse. Ce n'est pas ce que tu es. C'est quelque chose que tu as inventé. C'est un rôle que tu te donnes pour pouvoir exister et être reconnu. Pour ne pas être face à la réalité de toi-même. Parce que ce que tu es, c'est rien. Il n'y a rien. Tout ce que tu t'es fait, c'est quelque chose. C'est-à-dire toute l'apparence que tu te donnes, tout ça, il y a quelque chose, effectivement.
Et c'est la réalité de ce que tu vois dans le monde aujourd'hui. Mais cette réalité, elle est éphémère, elle est fausse, elle est une illusion. Et tout le monde prend part à ce jeu. Parce que, en fait, si tu n'existes pas en tant que moi, alors la question vient à soi, qui suis-je? Et c'est la question qui a été pertinente de toute l'histoire de la race humaine. Tous, tout un chacun, on s'est demandé, qui suis-je? C'est quoi la vie? C'est quoi la mort? Qu'est-ce qui deviendra? Ce sont des questions qui ont taraudé l'esprit de la race humaine depuis les grands philosophes de tous les temps. Les gens qui ont voulu comprendre la vie, ils voulu se comprendre, ils voulu comprendre qu'est-ce qui se passe. Et maintenant, on ne se pose plus ces questions-là. Parce qu'on est blasé avec toute la distraction qu'il y a. On va faire ci, on va faire ça, on va aller danser, on va aller pique-niquer, on va aller... Et tout le temps, tu es occupé avec la vie que tu te donnes. Tout le plaisir qu'il y a d'avoir toutes ces activités. Et ça, ça te fait croire qu'il y a quelque chose à atteindre. Donc tu veux toujours atteindre ce que la vie te propose. La vie mondaine, je veux dire. La vie de l'homme qui a été la vie que l'homme a proposée pour l'homme. Nous nous proposons à nous tout ça. C'est quelque chose qui est là depuis des générations. On s'est les refourgué. On a dit, amuse-toi, il faut que tu deviennes quelqu'un. Il faut que tu sois fort. Il faut que tu sois grand. Il faut que tu sois le héros. Comme ça, les gens peuvent te copier. Et en fait, on a fait une norme établie de comment les choses devraient être. Et on voudrait que toutes les gens autour de nous ben, fassent la conclusion que ça, c'est très bien. Se conformer à une conclusion de comment la vie devrait être, comment tu devrais être, comment ce que tu es, est. Donc là, tu as un concept. Le concept de l'image qui représente ce que tu es. Tu représentes ce que tu es à travers une image, mais il n'y a pas de réalité. Parce que tout ça n'existe pas. Existe seulement rien. Et rien, bien sûr, c'est quelque chose d'inconcevable pour la tête de quelqu'un, le mental. Il ne peut pas concevoir. Parce que rien, c'est tout. Et tout, c'est l'univers. L'univers, c'est l'infini. Et tu ne peux pas concevoir l'infini comme ça avec ton mental. Mais tu peux le vivre. Tu peux être cela. Parce que c'est ce que tu es. Cet infini-là. Et quand tu es face à ça, il y a toute une réticence parce que tu as appris comment tu devrais être. Donc tu ne veux plus aller là parce que ça te fait peur, parce que tu n'existes plus à ce moment-là. Tu es l'éternité. Tu es tout. Tu es quelque chose d'extraordinaire. Parce que l'ordinaire fait de toi quelque chose de médiocre. Mais là, on dit que tu es extra dans l'ordinaire. Il y a quelque chose de puissant qui se passe. Et ça sort le monde de ces carcans. Ton esprit sort de ses habitudes et de ses trains-trains. Parce que tu as quelque chose là qui ne fait pas partie de l'habitude et des trains-trains. Tu es ouvert à un monde exponentielle, qui a toutes les possibilités pour pouvoir faire en sorte que tout soit rendu possible, même l'impossible puisse être rendu possible. C'est pour ça que il est difficile aujourd'hui dans ce monde de concevoir cette façon de regarder la vie. Regarder la vie, non pas à travers ce que tu connais, mais à travers de ce que tu es. Et ce que tu es, c'est l'infini. Si tu vois
que tu es l'infini, si tu sais que tu es l'infini, tu vis l'infini, alors tout ce qui est infini autour de toi va être révélé à toi-même. L'autre en face de toi, c'est l'infini aussi. C'est quelque chose de grand. Ce n'est pas un homme, une femme, c'est-à-dire quelque chose, c'est tout. Ce n'est pas les choses que tu désignes, c'est tout. L'infini, c'est tout. Donc tu ne peux pas le nommer l'infini. Mais pourtant, on nomme. Et si on nomme, c'est que nos têtes ont appris qu'est-ce que c'est. Et nous avons un prisme qui regarde les choses à travers ce que nous avons appris. Et ce que tu as appris, c'est une infime partie de ce que l'univers propose. C'est un grain de sable dans tout l'univers, ce que tu connais. Et là, on te dit, ne regarde pas la vie à travers ça. Regarde la vie à travers l'œil de ce que tu es. L'œil de ce que tu es est l'infini. Donc tu vois tout à travers l'œil de celui qui connaît tout. Mais cette connaissance du tout, ce n'est qu'une information qui te traverse. Parce que tu ne peux pas apprendre ça. C'est quelque chose qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin. C'est là, c'est comme ça, ça a toujours été. Ça n'a pas de commencement et ça n'a pas de fin. Mais tout ce que tu apprends sur la planète Terre, avec ta tête, avec ton moral, avec tout ce qu'on fabrique, eh bien on apprend. On dit ça c'est un chapeau, ça c'est une table, ça c'est un mur. Et on a toute une série de choses que nous avons appris. Et quand on regarde des choses, on les voit à travers ce qu'on connaît. C'est-à-dire, c'est ton mental qui te dicte qu'est-ce qu'il y a. On dit là c'est le ciel, là c'est la mer, là c'est un pays, un tel pays, tel pays. Quelqu'un, c'est un Américain, c'est un Chinois. C'est comme ça que tu vas voir la vie. Mais cette vision de la vie, elle est restreinte. Parce que tout ce que tu as appris demain matin, ce n'est plus ça. C'est encore quelque chose de neuf encore à apprendre. Donc toute ta vie, tu as besoin de laisser derrière toi tout ce que tu connais pour s'ouvrir à quelque chose de neuf. Et le neuf, il est indisible. Tu ne peux pas l'imaginer. Si tu l'imagines, ce n'est plus réel, c'est quelque chose que tu as inventé. Et la plupart d'entre nous, on invente une vie qu'on aimerait voir venir, parce que celle qu'on a, c'est pas quelque chose que tu aimerais subir. Parce que là-dedans, il y a le bon, le mauvais, le grand, le petit, et tu es ballotté là-dedans, entre tout ça. Et là, on dit que si tu regardes cette vie, tu es celui qui voit à partir des yeux de l'univers, et alors à ce moment-là, plus rien ne t'arrive parce que tu n'es pas ballotté par ces choses, puisque tu es celui qui voit cela. Ton regard depuis l'intérieur regarde le monde, et le monde ressemble à ton intérieur, c'est-à-dire cet infini, où il n'y a rien de ce que on a fabriqué puisse t'atteindre. C'est qui a fabriqué tout ça ? Ben, c'est la mémoire, c'est l'homme, c'est les expériences. On a fabriqué un monde à notre goût. Et en fait, on s'est identifié à ça. Et nous sommes devenus les personnages de ce monde qui jouons dans cette scène. Mais cette scène, c'est une illusion. Mais ce qui existe pour de vrai, c'est ce que tu es. Ce que tu es, c'est l'infini qui voit tout ça et qui ne joue pas avec. Tu ne subis pas ce monde. Tu subis ce monde seulement quand tu es le personnage qui joue dans la scène. Parce que quand tu es dans la scène, tu essayes d'arranger la scène. Tu essayes de faire des choses pour que la scène soit à ton goût. Donc si tu cesses d'être cela, d'être celui qui joue dans la scène, alors tu vas être celui qui voit tout l'ensemble. Et cette vision met de l'ordre dans la scène, puisqu'il n'y a plus personne qui joue dans la scène. Et la scène, elle a toujours été ordonnée. Mais c'est parce que tu veux aller dans la scène pour l'arranger à ton goût qui fait que la scène est chaotique. Parce que tout le monde veut le monde à son goût. Il veut une vie à son goût.
Et ça crée tous les problèmes de la planète Terre. Parce que tout le monde croit que en faisant ça et ça et ça, il sera mieux. Et c'est le personnage qui veut être mieux. Mais ce personnage ne peut pas être mieux. Il est tout simplement le résultat du passé qui vient dans le présent. Et puis on l'innove tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il doit devenir mieux. Mais tout ça, c'est une illusion. Tout ce que tu vois en face de toi, c'est la réalité. Et cette réalité, c'est que tu ne fais rien avec ça. Il n'y a personne qui joue dedans. Et quand plus personne ne joue dans la scène, alors le chaos s'en va. Tout se remet en place. Et tu as la perfection. La perfection parce que tu as cette intelligence, tu as ce regard intelligent qui fait que tu ne joues pas dedans. Qui fait que tu vois les choses telles qu'elles sont, sans vouloir arranger les choses pour qu'elles soient à ton goût. C'est parce que tu as ce regard qui vient de l'infini. Tu as l'information du tout qui te dit que là, il n'y a pas de problème. Parce que tu vas créer l'ordre à travers cette intelligence que tu as à ce moment-là. Quand tu vois tout, quand tu vois l'ensemble qui est désordonné, quand tu vois le chaos, alors comme ce que tu es est l'ordre, alors l'ordre apparaît tout de suite. Mais si tu n'es pas l'ordre, si tu n'es pas observateur de tout cela, alors tu vas être celui qui joue. Et celui qui joue crée dans ce monde beaucoup de problèmes. Pour lui-même et pour tout le monde autour de lui.